Andréo, Oui. toi tu as reçu des extraterrestres pour paniquer comme ça. Tu pouvais pas m'attendre le soir au maquis pour me dire ce qu'il y a? Non, justement. Il faut d'abord une concertation entre toi et moi. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas débattre dans le lieu public. Avant, de quoi s'agit-il? C'est Germaine qui est venue me voir parce que ses parents commencent à se plaindre de nos sorties multiples et ils ne savent toujours pas où nous allons. Mais je sais que ça va barder. Tu sais pourquoi? C'est sûrement pour te parler affaire mariage. Plein dans le mille, c'est exactement de ça qu'elle a voulu parler. Mais dans mon cas spécifique, pour que je puisse prendre une décision, il va vraiment faire des calculs minutieux. Non, si c'est pour les calculs minutieux, t'en fais pas. Je t'enverrai du bureau une calculatrice scientifique pour t'aider, ça ira mieux. Un peu de sérieux, veux-tu? Tu me vois dans un nouveau problème et dans tout ce que tu trouves à dire, ce sont des plaisanteries. Ah bon, c'est ça ton nouveau problème? Hein, quand toi et Germaine, vous alliez dans la villa de ton frère là, tu ne t'attendais pas à ce genre de choses? Tu pensais que ça pouvait passer comme ça? Et toi, tu connais ma femme, non? Tu penses qu'elle va digérer une salade pareille? Ah, c'est Germaine qui est la salade. Non, tu n'as rien saisi. C'est ce que je vais essayer de la faire comprendre qu'elle va qualifier de salade d'irresponsable. Ok, ça maintenant toi tu me rentres dedans. Donc moi à bout, hein, c'est moi le premier irresponsable qui amène des salades à ma femme à la maison. C'est bien ça. Bon, écoute-moi, hein. Si tu veux un conseiller pour des choses pareilles, il faut chercher ailleurs. Non, voilà, ne prends pas ça sur ce ton. Je suis complètement bouleversé. Tu sais, depuis un certain temps, madame a commencé à être très douce avec moi, malgré les problèmes qui s'est passé entre elle et Fatou à la poissonnerie. Mais si en plus de tout ça, brusquement, un changement s'opère de mon côté, avec ce nouveau problème-là, mais ça serait la catastrophe. André, tu es novice, tu ne peux pas trouver une astuce pour trouver la solution à ce problème. Donc, ton affaire de Germaine, c'est oh là là, bien c'est sérieux. Mais sois juste là. Bon, je vais réfléchir. Ce qui est sûr, mes parents ne verront pas d'inconvénient. Mais aïe, la famille de ma femme vont me chauffer les couilles. Ah ouais, parce que toi, tu leur dois quelque chose. Et soyons sérieux. Toi, André, vous êtes marié il y a 6 ans de cela. Il n'y a même pas un mouflet pour se promener entre vos jambes là pour vous déranger. Ça te va comme ça? Bon, je vais réfléchir et prendre une bonne décision pour toutes. Hein? Bon, ce qui est sûr, quand nous allons sortir ce soir, je vais rassurer Germaine. Et pour que aussi elle puisse freiner le lardeur de ses parents. Voilà, ça c'est bien parlé, jeune homme. C'est ça, on dit un homme qui prend ses responsabilités. Au lieu de rester là à pleurer, ça va pas, non? Oh, ça va. Mais tu, Abou, mais toi, à quand est-ce le mariage de Fatou? Tu étais chaud au départ là, et puis on sent que tu te ramollis. Mon vieux, au contraire, je me prépare en conséquence. Parce que vu quand même les mauvaises langues ont dit ceci, cela, tout qu'on sort là. Tu penses que je vais prendre ça à la légère? Moi, je me prépare pour prendre de court tous ceux-là qui ont ces idées arrêtées me concernant. Donc, tu attends ton prêt bancaire, quoi? Complet. Et tu sais, je vais faire ce mariage-là en grand. Pas de mariage de petit, hein. De toute façon, on m'a pris tout petit là. Moi, je vais leur montrer que je suis assez grand et important. Pas kaya, quoi. Non, je ne suis pas kaya, pas, mais regarde-moi. D'accord. Ouais. Oh, ok. Mais tu crois qu'il est. Mon vieux, moi, on ne prend pas. Vraiment? Non. Moi, c'est assez important. Oui. Toi aussi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bismillah. C'est mon beau-père. Oui. Comment ça va? Hey, ça va très bien. Et ta famille? Inch'Allah. Tout le monde se porte bien. Merci. Je passais par hasard et j'ai profité pour vous dire bonjour. Et ton mari? Il est allé à la poste depuis ce matin pour une affaire de mandat. Ah bon? Tu connais les mesquineries des gens de la poste. Ça fait bientôt une heure de temps que je regarde la route. Ah bon? Oh, c'est pas grave. Peut-être qu'il y avait beaucoup de clients avant lui. C'est tout. Tu ne vas pas t'asseoir quelques minutes? Tu devais faire même le déplacement pour te voir. Alors, ça tombe bien. Pour ne pas dire trop bien. J'aimerais avoir un peu d'éclaircissement sur ce qui se passe chez ton neveu. Tantôt, c'est la femme à André qui se bat avec la copine à mon beau-fils. Ou bien la mère de son fils Ahmed qui fait bagarre en plein marché avec la même. Mais décidément, quelle est cette fille même qui nous dérange tant? Aïe, ce sont les jeunes et leurs histoires à la con. Abou est mon neveu. Mais vraiment, sa conduite me dépasse. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est magasinier général de sa société qui le rend comme ça. Mais en tout cas, j'ai des difficultés pour lui parler de cette fille-là. Mais que compte-t-il faire même avec elle? S'il est sourd, même avec son oncle, c'est pas pour s'amuser tout simplement en tout cas. Ouais, il est trop têtu dans cette affaire. Hein. Mais sache que je suis et resterai toujours attaché à vous. Je mettrai tout en œuvre pour que des conneries de sa part ne se reproduisent plus. Moi-même, je n'arrive plus à dormir pour ma fille. Elle qui est la première concernée, s'en fiche éperdument.
Je me demande si cette fille-là n'a pas donné ma fille à un griquet quelque part. Subhanallah, elle n'a pas cette capacité. Vu que ton mari est un marabout caché, qui ne se manifeste que pour ses problèmes personnels. Mais hey, attention, on se connaît. Depuis que je suis au courant des activités pas sincères de Abou, je n'arrive pas à dormir. Bon? Hein? Quant à mon mari, il fait comme si de rien n'était. Comment veux-tu que je sois tranquille dans une position pareille? Si tu vois que ton mari ne dit rien, c'est que dans sa main, il y a quelque chose de lourd. Bon, comme tu le dis, je ne peux que me remettre à Dieu. Mais toi, de ton côté, tu sais que toi et nous, nous formons une seule et unique famille. Bon, je suis en tes mains, car l'avenir de ma fille est mon tout. Abou qui est né entre mes mains ne peut en aucun cas me mystifier. Il finira par se soumettre à ma volonté. Inch'Allah. J'ai choisi ces meilleurs couleurs pour toi. J'espère qu'elles te plairont. Merci beaucoup. Que Dieu exauce tes prières, afin que Mimi, dans son foyer, ne soit pas dérangée par une autre femme. Amen. Que la volonté du Seigneur soit faite. Bon, comme ton mari n'arrive pas, je vais devoir partir. Quand il sera là, tu lui donneras mon bonjour. Et à bientôt. Ce sera fait. Mais n'oublie pas de passer de temps en temps pour que l'on cause ensemble. C'est promis. Et surtout que tu es préoccupé par les agissements de ton beau-fils, mon neveu. À très bientôt. Et ne t'inquiète pas. D'accord, merci. Toi, combien de fois je te dis de ne jamais te mêler de mes affaires? Tu ne veux pas me voir ici, n'est-ce pas? Mais tu te fatigues. Cette cour est pour notre père, donc c'est à tous. Tu ne pourras m'empêcher de faire ce que je veux quand tu me verras dans ta propre cour, fainéant. Maman, oui? Tu es témoin, hein? Si jamais cette chèvre-là me dit encore fainéant, au nom de Dieu, toi là, je te déchire ta grande douleur aux oreilles. Tu es trop petit pour me faire quoi que ce soit. Tu prends des grands airs quand mes visiteurs viennent ici. Et tu veux qu'ils te respectent en tant que qui? Toi, depuis que tu es dans cette cour-là, hein? Quel est le gars important ou poli qui est déjà venu te voir? Hein? Toujours des fanupés qui vont décharger des sacs dans les usines, et puis le soir, ils viennent habiller dans des yougous de 500 francs, ils viennent te faire rêver. Et puis avec des motos qu'ils ont prêtées. Et puis tu crois qu'ici, là, il n'y a pas fille mieux que toi? Pauvre idiote, là. Oh, allons. Hé, hey Jean, je t'avais dit d'aller te promener. Je ne veux pas de débat ici, compris? Laisse, maman. C'est moi qui le cherche. J'attends que sa main me touche. Si je ne lui casse pas la tête aujourd'hui, c'est que je suis une bâtarde. Moi, casser ma tête? Viens casser. Inconsciente, là. Moi, je pense que tu ferais mieux de te trouver un idiot de mari. Parce que ça va au moins diminuer le nombre de bouches que le vieux nourrit ici à la maison. C'est toi qui es le seul inutile ici. Sinon, qui de t'a assuré toute la journée à ne rien faire? Bon à rien. Qui? Moi, bon à rien, Irène. Moi, tu causes wawa, rien que de m'arrêter, tu détales. Tu me fais pitié, hein? Et puis en plus, il y a François aussi qui me fait pitié. Il passe son temps à jouer au garde-corps autour de toi. Tu sais qu'il mérite une médaille de compte dévoué, ce François-là. Vraiment, qui se ressemble ça sans vous être le même. C'est pas la peine. Sors d'ici, Jean. Si tu ne veux pas d'ennui avec ton père, quand il vient vous trouver en train de vous chamailler, il ne fera pas de quartier ni pour l'un ni pour l'autre. Tu as entendu? Je ne veux pas te voir ici. Les enfants, façon, façon. Si tu ne fais pas d'enfant, on dit que tu n'as pas fait d'enfant. Tu fais enfant encore, ce sont des problèmes. Maman, j'ai des problèmes et je ne sais pas quoi faire pour trouver la solution. C'est avec Jean. Tu crois que je considère Jean? Je parle de mon problème à moi. Vas-y, que je vois à quoi ça ressemble. Maman, je suis en début de grossesse et François n'a pas l'air d'approuver ça. Je ne sais pas quoi faire. Hé Irène, je le savais et je t'attendais. Ce qui va tourner au vinaigre, c'est quand ton père va s'en rendre compte. Malgré les problèmes entre toi et ton frère, le secret semble bien gardé. Depuis les premiers instants, Jean a constaté la même chose que moi, bien qu'il soit très jeune. Je veux que tu m'aides, maman. Déjà avec Ahmed, si ce n'était pas parce que Abou est l'estimé du vieux, je sais que nous deux, toi et moi, étions dans la rue. Maintenant que c'est François, c'est ça une vraie catastrophe. Attends. Je verrai François et nous allons en débattre. D'ailleurs, si tu vas là-bas ce soir, dis-lui de venir me voir demain, quel que soit le temps. Ajoute que c'est très important. Tu as saisi? Eh, on s'est déjà fait des histoires. Et ça n'a pas été facile de... J'étais été obligée de le frapper sur la tête avec une casserole et de feu. C'est pour cela depuis bientôt 3 jours. Tu ne le vois plus ici. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qui va s'arranger. D'ici la fin de la semaine, si je ne le vois pas, j'enverrai ta jeune tante le voir. Eux, ils s'entendent mieux. Moi, j'ai peur. Si jamais papa se rend compte de ma grossesse, je serai le déclic de vos problèmes.
Non, tout dépendra de ce que va décider François. Je vais chez Marie à côté. Au cas où il viendrait, je suis là-bas. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Hé, garçon, viens là. Tu m'envoies une petite castelle bien frappée, tu as compris? Oui, patron, tout de suite. Ok. Parce que j'ai vraiment soif, hein. Quelle chaleur alors. Yeah. Tonton. Tiens. Alors, patron, c'est bien frappé. Ah oui, ouvre rapidement. Voilà, voilà, fais vite. Bien, c'est bon, laisse tomber. Mais c'est nouveau ça. Mon vieux. Ah ouais, comment alors, ça va Abou? Mais comment tu connais des petits coins comme ça là aussi? Écoute, je suis venu ici pour voir quelqu'un qui me doit de l'argent depuis longtemps, mais qui ne se manifeste pas. Ah bon? Oh, oui. Ah oui. Ah, et c'est ici qu'il vient le chercher? Il paraît qu'il vient se cacher ici. Mais comme je ne le vois pas, eh bien, je vais partir. Dommage, toi, tu bois même pas. Sinon, si tu bois, Brandy, tu vois une bonne bière bien glacée comme ça te fait rien. Ah, ça, pour là. Pourquoi? Tu es fou ou quoi? Hein? Tu ne peux pas parler d'autre chose si ce n'est pas la bière? Comme c'est ainsi, oh. Je vais voir, je vais te filer un petit vieux billet de 500 là. Oh, toi aussi. Ouais, tu vas prendre ton Coca et Fanta là. Je pense que ça pourra aller. Hein. Viens me parler. Voilà. Bon. Ça fait rien. Je vais voir. S'il est là, quoi. Ouais, vas-y. D'accord. Oh, il n'y a pas de problème, faut pas te gêner. Hein. Ouais, tu crois que je connais pas? Ton ami. Ouais. La vie est belle. Mais dis donc, ça fait bientôt une demi-heure que tu attends. Actuellement, la bonne partie du porc au fourgon est presque finie. Espèce de con. Ouais. Tu ne vois pas mon neveu là-bas? Il ne faut pas qu'il sache que je viens ici pour manger la viande du porc. Hein? T'es con ou quoi? Et alors, et lui-même? Tu crois qu'il ne me voit pas ici tout le temps? Il sait que je viens manger ça ici. Il y a même des jours où il me paye la bière, ce brave garçon. Oh, mais pour toi, ça s'explique. Mais pour moi, hein? Ah oui, tu n'as pas d'argument sur lui pour justifier ta présence ici. Espèce de faux croyant, hein? Tu sais, c'est des gens comme toi que Dieu va punir. Mais en attendant, viens t'empiffrer ici correctement. Écoute, oui, oui. Viens, on va changer d'endroit. Par ta bêtise, mon neveu finira par douter de ma bonne foi. Ah bon, décidément, tu prends ton neveu là pour un idiot. Hein. D'abord, il faut savoir que ce n'est plus un enfant. En plus, c'est un intellectuel. Donc, cesse de croire qu'il avale tes bêtises à tout va. Hein? Oui, mais... Attends, et puis je sais, parce que toi, toi tu te caches. Hein? Et moi, je suis un officiel, c'est ça, non? Oh, mais c'est que toi, tu es trop bête. Et moi, je suis tout à fait ton contraire. Écoute, si tu veux la paix, cesse de me traiter d'imbécile. Sinon, un jour, c'est à la mosquée que j'irai te chercher pour aller casser la croix. Foi des califats. Où? À la mosquée même. Ben, si tu es fou, oui. Tu trouveras un fou plus que toi un jour. Trêve de commentaires. Où on va? Où on va? Allons chez Tassere. Chez Tassere? Là-bas, c'est tranquille. D'accord, d'accord. Bon, allons-y. Espèce de vieux con là. Quand tu traverses la route, tu ne peux pas le même tour. Tu ne peux pas la même tour. Mon cher. Pense au porc au four ou bien à la bière. C'est ce qui te rend aveugle ou quoi? Oh, je vois mieux que toi en tout cas. C'est un imbécile de ton genre qui roule bêtement. Bon, d'accord. Oh. Non. Abou. Oui. Abou. Hein? Bonjour Abou. Oui, bonjour madame. Je voudrais te voir. Ah. Ce soir, si possible, c'est très important. Fais tout pour qu'on se voit. Bon, je serai très pris dans la journée, mais je vais essayer de passer vers 17h30. Ça peut aller? Ça peut aller, d'accord. Okay. D'ailleurs, je ne sors jamais. D'accord, je ferai l'impossible pour répondre à votre rendez-vous. D'accord. Bon, bonne journée merci, madame. Merci. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Germaine, je pourrais te voir une minute là. Oui mon chéri, continue. Je vais voir notre mari. Et dès qu'il a de bonnes nouvelles à nous donner. Germaine, je viens de voir ta maman à l'instant. Elle voudrait me voir. Hein? Tu viens de chez nous? Non, non, non. Elle m'a intercepté tout juste vers la buvette de M. Jacob. Si je comprends bien. Elle voudrait que tu viennes à la maison. Oui, probablement. Moi, j'ai pris rendez-vous pour ce soir, en tout cas.
Mais tu n'imagines pas à peu près de quoi il peut bien s'agir. Toi et André, vous êtes du nom. Oui, mais nous n'avons pas abordé des sujets concernant la peine de ta mère. Je vois. Mais je veux te dire que c'est par rapport à ce que j'ai expliqué à André que ma mère veut te voir. Mais au juste, André et toi, qu'est-ce que vous avez arrêté? Je ne vais tout de même pas me présenter chez ta mère sans savoir ce que vous avez arrêté de commun accord. C'est simple. André doit se trouver tout juste derrière son magasin où il doit vérifier des travaux, à moins qu'il n'ait fini. Trouve-le et il pourra te soutenir. Quant à moi, c'est vous que j'observe. Même si toi tu es consentante, hein, tu dois être une seconde. Je crois que le style des femmes, là, la manière de moi seul ou rien, là, c'est ce qu'il voudrait éviter. C'est Fadou qui est ma jeune soeur, a accepté de s'unir à toi, malgré une précédente. Je ne vois aucun problème à mon niveau. Si monsieur et madame et André m'acceptent dans leur foyer. Mais si toi tu es consentante, hein, je crois que la balle va se trouver maintenant dans le camp d'André. À lui de trouver maintenant un terrain d'entente entre vous trois. Sincèrement dit Abou, je ne suis pas tranquille. André ne peut aucunement imposer quoi que ce soit à sa femme. C'est tellement visible à l'œil nu que c'est ce qui inquiète ma mère. Je ne dis pas le contraire de ce que tu viens de me dire. Hein? Mais il faut savoir quelque chose dans la vie qui ne risque rien à rien. Et puis dans tout ça, André, lui et sa femme, depuis qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Même pas un seul gosse. Et tu connais la réflexion de la famille africaine, surtout chez eux. Là. Qu'est-ce que moi je peux faire, Abou? Sauf attendre que toi tu m'aides à le décider, afin que je sois tranquille dans ma famille. Bon, une chose est là, je vais passer chercher André dans son magasin pour qu'on puisse en discuter. C'est compris? Bon, hé, Fatou, je passe directement vers 20h à la maison pour te chercher. Hein. C'est compris? Bon, c'est valable pour toi aussi, Germaine. D'accord. Bandit, qui doit te rouler encore aujourd'hui là? Je vois avec des sous là. Ah, c'est pour juste payer ceux qui viennent de colmater le trou dans le grand magasin là. Ah bon? Les souris commençaient à élire domicile fixe là-bas. Hein? Ah bon? Oh, oui. Bon. André. Oui, avant que je n'oublie. C'est une communication de ton oncle Ali depuis Bamako. Dis de le rappeler à ce numéro. Ah oui. Ah, s'il a fait ça, c'est que mon enfin ça promet. Hein. Moi, je crois que ces affaires ont marché. Moi, ça me permettra d'accélérer quand même les démarches au niveau de la famille à Fatou. Hein. Avec ton oncle fanatique et bouché là, tu crois que tu vas sortir facilement de l'auberge? C'est de l'oncle là que tu veux parler, non? Ma mère m'a déjà donné les recettes pour corrompre ce vieux loup là. Ah bon? D'accord. Bon, André. Oui? Tu connais l'objet de ma visite? Non. J'ai rencontré dans la circulation la mère à Germaine, hein, elle me demande de passer à la maison, la voir pour une information très sérieuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais que voulais-tu que je dise? Je vais y aller, c'est tout. Je pressens que c'est le sujet que Germaine est venue m'expliquer là. Mais au fait, que décides-tu justement? Parce que moi, je veux partir là-bas avec des arguments valables. C'est pas la peine d'aller s'asseoir là-bas comme un rigolo, ça m'intéresse pas. Tu sais, Abou. Tu es un ami. Voilà. Pour ne même pas dire un frère. C'est ça. Mais sincèrement, j'aime Germaine au fond de mon cœur. Voilà, c'est bien dit. Hein? Mais l'essentiel, c'est ce qui nous préoccupe présentement là. Sinon, tu l'aimes, ça c'est bien connu. Ouais. C'est que je ne sais pas comment je vais dire ça à ma femme. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à m'expliquer. C'est toi qui l'as marié ou bien c'est l'inverse? Mais ça me surprend. Quand un homme me dit qu'il a peur de sa femme, vraiment, c'est étonnant quoi. Vraiment, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Ah, tu ne sais pas comment tu vas dire à ta femme? Oui. Eh bien, il faut faire un communiqué radio. Je veux que tu te décides afin que j'y aille. Ce serait mieux pour nous tous. Voilà. Je crois que ça, c'est clair. D'accord. Il y a feu vert. Il y a feu vert? Oui. Tu es sûr de toi-même? C'est sûr. Ah, moi, je t'attends, toi. Bon, écoute, André. Oui. Moi, je suis pressé, je m'en vais. Ok. Bon, merci. Voilà. À bientôt. Se reposer avec ces imbéciles qui passent le temps à faire du tapage là. C'est quoi même? Nous prenons tous la maison ici. Reposer, reposer. D'ailleurs, quel travail toi tu fais pour parler de repos? Escroquer les pauvres femmes là, c'est pas ça ton travail? Kai, tu n'as même pas à ton âge quoi. C'est des énergumènes comme toi qui finissent en affaire. Tu ne pries pas et tu diras ce que veulent prier. Avec ta musique permanente. Et encore tu roules comme dans un instinct. Ça ne va pas non? Docteur, viens me soigner. Toi vieux escroc,
Tu passes ton temps à faire semblant d'être le musulman modèle. Pourtant, on se connaît ici, de... Qui, moi, un éveillé comme toi, où je peux te connaître? Tu es Yves, du 1er janvier au 31 décembre. Tu dois avoir comme connaissance un gars comme toi. Kai. Ah, la vie est belle. Toi, vieux con. Hein? Je te vois tout le temps derrière les secours d'Adjoa. C'est là-bas la mosquée. Et chez ta sœur, qu'est-ce que tu bouffes? C'est la même chose que toi et moi nous faisons, n'est-ce pas? Vous, vraiment, vous me faites pitié. C'est caché pour manger des bonnes choses. Si ce n'est pas des idiots, super cons comme toi, quoi, qui osent se faire du mal? Afflez, ça va retourner en Amérique. Ah. C'est moi que tu veux déléguer par ces maçons de sous-là, espèce de fils de chien. Je te fais avaler tout ce que tu m'as dit. Un faux marabout escroc patenté qui veut frapper Adam. Non, il y aura des espoirs aujourd'hui. Non, monsieur, il n'y a rien de grave. Laissez ce vieux qu'on m'approche. Voilà, je vais le descendre d'un coup sec. Prends-moi celui-là. Moi, osez me frapper. Tu ne voudrais pas le soleil demain. Moi, me relire. Tes parents vont les retrouver avant d'avoir été déçus. Je t'avais dit de ne jamais inciter ce type-là. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est sans scrupule. T'en fous, moi, le camp. Toi aussi, tu passes ton temps à causer avec sa femme, là. Regardez-moi cette hypocrite-là. Mais, votre histoire n'a pas commencé par nous. Faut pas nous accuser gratuitement comme ça. Laisse, je vais faire voir ce fils de chien de quoi je suis capable. Oh, mon cher, c'est fini. Ce n'est pas la peine de continuer à gueuler comme ça. Ça va te rapporter quoi? Toi, quitte là-bas, vous êtes tous pareils. On ne t'a pas appelé à la rescousse. Regarde-moi cette hypocrite là. Toi aussi. Un grand comme toi. Quand vas-tu cesser de te diminuer? Eh, bon Dieu. Vraiment. J'en souffre beaucoup. Laisse, je vais faire voir ce fils de chien là. De quoi je suis capable? Décidément. La correction de ce monsieur là ne t'a pas suffi. Hein? Mais ami, sois. Si moi je te coigne, c'est les sapeurs-pompiers qui viendront te chercher. Tu es trop petit, tu entends? Trop petit pour me toucher. Trop petit.